pour un petit let's play sur Alien Isolation, donc avec Nicolas et les champis et Luc, putain il y a encore d'abord. Hello. Bon, vas-y on se la mate. On se la mate tranquille, on se met dans le bain. On se la remate vraiment. Là c'est quoi? Non pardon, c'est gay. Mamadou. Tranquille. Ouais, le son risque d'être moyen, mais c'est ouais. Pas très fort. Bon. On remontera. Ça va mettre un peu plus dans l'ambiance. Okay. En France, c'est la contre-sécurité. Vraiment super bien. On est bien dans le bain, on se stresse, tu vois. Là, on est bien. On sort de la démo de PT. Ouais, c'est vrai que c'est clair. Si j'ai bien compris, le futur Silent Hill. C'est la Tales. Yes. Ouais. Donc, on est un peu déjà dans l'ambiance. C'est parce qu'en fait, il y a une histoire par rapport au nom, tu vois. Il y a Silent Hill avant. Ah ouais, il y a Silent Hill et maintenant il y a le nouveau, il y a Silent Hills parce qu'ils ont ils parlaient de l'heure multiple en fait. Ils voulaient mettre l'accent sur ça. Lance-flamme ouais, là quand j'ai vu Lance-flamme, franchement, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous chez Fégator? Fou dans moi. 4-1, je t'ai mis de branler, Léo. Pardon? C'est quoi? C'était moi, hein? Je t'ai là, t'as vu. Ah mais toi. Mec, tu t'es trompé de. J'ai mis 3 buts, hein, moi, s'il te plaît. Non mais le mec quoi, c'est même pas s'il a droit ou à gauche. J'ai 8 dans la soirée. Tranquille. Ah j'avoue c'est bien, ça fait un bon ratio ça. Mais tant de matchs. Au pire je m'en fous, je joue pas FIFA. Voilà. C'est pas faux. Tu devrais. J'aime pas. C'est sympa. C'est continuer la partie. Allez c'est parti. Je me rappelle même plus ce que j'ai fait au dernier épisode. J'avais défoncé des robots avec des clés à molette, ça je m'en souviens. tu vas voir, vous allez voir, franchement c'est trop énorme ça. T'as une clé à molette en fait, et, je te jure, t'as des robots en fait, ils ont fait des IA dans la station. Et en fait, ils sont un peu tarés, les robots dans la station, ils sont là juste pour te faire chier, pour te crever. Comme dans Wally. Ouais, comme dans Wally. Il dit machin. Il passe, il nettoie tout. Trouver un kit d'urgence. Ah oui, c'est vrai. Faut que je soigne l'autre. Elle est où d'ailleurs? Je vais trouver une porte d'entrée. Putain, déjà l'ambiance. Ce serait cool que je retrouve mon chemin déjà. Ah, qu'est-ce qu'il fout là? Putain, t'as. Il y a un gars qui s'est fait challenge. C'est vraiment trop beau, par contre. Je viens de commencer, mec. Je me fais bouffer. Non. Ouais. Ah, l'alien n'est pas la seule menace qui rentre sur la station. C'est bon à savoir. En gros, tu te fais enculer par une touche à pharmacie. Plus, à chaque fois que je les ai vus, ils descendaient du ciel là, et ils faisaient un peu comme... Vers l'unité de soins. Il était là. Oh, non, il était là-bas. Mais qu'est-ce qui est... Que pas ça. En fait, j'avais sauvegardé, mais j'étais pas là quand j'avais sauvegardé. Sinon, on vous voit, cachez-vous, sortez du champ de vision. Ouais, bah, je suis pas con, hein, j'allais pas aller courir après. C'est un alien quoi. Je te jure, j'ai essayé de lui mettre des balles de magnum. J'ai l'impression que le mec, je lui faisais rien. C'est un truc de bâtard. C'est-à-dire que imagine l'astronaute qui joue à ce jeu, il se dit quand il va dans l'ISS après, il se dit merde. Je ne ferai pas l'astronaute. Non. Oh ma gueule. Non, non. Maison médicale San Cristobal. Super. Donc. Il est derrière le Yann. Attends, la manette. Il est derrière. Il est derrière. Elle a fait quoi comme bruit? Mais qu'est-ce que tu dis qu'il est derrière? Qui c'est qui est derrière? Oh, mais l'alien il sortait d'où? Non, mais il est dans l'autre salle, il était dans l'autre salle. Oui, il était dans l'autre salle, mais par contre j'ai toujours pas trouvé le. Il est de sauver. Ouais. Hein. Bon, mais tu sais quoi, on va voir la mission maison médicale, unité de soins intensifs, ok, ça s'en fout. Ouais, vers l'étage des soins. Bouffer. Tu vas encore faire bouffer. Direction maison médicale Saint-Christophe, la message. Attends, mais j'aimerais bien savoir la mission. Faut que je sauve machin, mais c'est par où? Docteur Morley. Je pense que c'est un peu sur la gauche, c'est le point vert. Ça, je l'ai déjà fait lorsqu'il s'est fait bouffer, je me rappelle à l'ancien panel. Mais c'est très rassurant. Bah, carrément. Tu vois, une petite tache blanche par terre, je crois qu'ils ont dû laver à la javel son sang. Ça a laissé des taches. Mais c'est très rassurant. Bah, oui. Enfin, moi, je trouve. Tant que c'est lui qui se bouffait, pas moi, je m'en branle. Bon, on va aller voir là-bas. On va se faire bouffer. Ah oui, je m'en rappelle, j'avais pris l'ascenseur, j'avais échappé à l'alien. Et le tas, t'as retrouvé après, mec. Mais ouais, je comprends pas. Ah, mais j'avais sauvegardé. Bon,
ouais, je m'en rappelle plus. Vous voulez pas aller regarder la vidéo, vite fait? Oui, bien sûr. Ouais. Bah c'est bon, en plein let's play ça passe tranquille. Par contre les chargements, je sens que ça va me péter les roues. Les roll maps. Chercher les terminaux pour les permis de plein de stations. Énorme. Amazing. Mais c'est incroyable. Ah, c'est aussi des trous, peut-il. Ah oui, on veut les expandables là-haut. Au Bruce Willis. Ok. Il était bon dans Armageddon. On va sauvegarder ici. Ouais, j'ai déjà sauvegardé ici parce que. T'as un bras de bien frais là, madame. Ouais, c'est une meuf qu'on a. Alors là, il y avait la liste. Il y avait la meuf dans Jurassic Park sur PC. Faut que je fasse vachement gaffe. Porte un bras collé sur une paire de nichons. Oh putain, sont toutes fermées les portes. Je vends ma pisse. T'as vu le gros bisou qu'il t'a fait, mon gars? C'est la gueule, mon gars. T'es censé aller où, là, en fait? Mais je sais pas, parce qu'il y avait trois portes de fermé. T'as pas un M16, là? T'as raison, toujours plus. Oui. Ah, mais t'as un revolver. J'ai un détecteur aussi. Il m'a dit qu'il est derrière. Et il m'a dit qu'il est à gauche. Il m'a dit qu'il y a... Mais les portes sont toutes fermées. Oh, mec, dans la boîte. Non, il est pas dans la boîte. Je peux chercher dedans. J'ai fait comment? Ah, c'est ça, la clé à molette. Tu peux défoncer l'alien avec ça? L'alien, je pense pas. J'ai trouvé. Oh putain, il est pas loin. T'as bien le courant. Oh my god, oh il est là. Cours! Hé pétasse! Il est pas descendu. Où c'est qu'il y a un truc pour rétablir le courant? Oh, c'est juste affreusement flippant. Alors regarde, tu peux même faire le. Attends, comment on fait déjà? Tu veux pas jouer à Pong avec ça? C'est stylé, je crois. Ah, super, tu peux mettre une mise au point. Avec la ligne sur le radar, t'as raison. Donc moi je suis là, il y avait un point de sauvegarde ici, trouver un kit d'urgence. T'es marrant, il y a un alien qui se balade juste au-dessus de ma tête. Du éthanol, ça me fait mal. Je peux te dire qu'on m'arrangerait pour faire un coma éthylique moi dans ce vaisseau. Tu peux encore l'ouvrir? Ouais, mais t'en as à l'intérieur. Ah. Quand je suis baissé, ça me l'indique pas. Tu vas mourir. Qu'est-ce que j'aime pas ce jeu, putain. Est-ce que vous voyez un kit d'urgence, une connerie dans le genre? Je vois rien du tout. Si ce n'est que tu vas peut-être mourir. Il est juste au-dessus de moi, là où il est en face, dans la pièce en face. Je sais pas pourquoi il disparaît des fois. Il va trop vite, ouais. Alors, il n'y a rien pour rétablir le courant, il n'y a rien. Je te dis, ce jeu, il est chaud. Oh my god. Tu vas te le prendre sur la gueule. Mais presque sur moi. Mais tu vas te le prendre sur la gueule. Là, il est sur moi. Alors, il est soit en dessous, soit au-dessus. Il n'y a pas de trou ici. Donc déjà, c'est... Je veux ton frère, mon gars. Taser ramassé. Oh! Non. Tu risques rien, je pense. Ouais, y'a pas moyen. Y'a moi qui défonce tout. Y'a pas moyen de fermer la porte, la clé, non. Parce que des fois, tu peux fermer. Ouh, la seule la corde en face, elle a pas l'air. Pistolet seringue. Accéder au terminal, je vais rattraper en courant avec ça, je pense. C'est ma stopping. Donc, ça en fait, c'est des fichiers à lire. Ça explique un peu l'histoire, mais moi, je pense que c'est. Ah, voilà. Ça me fait penser à Fallout. Ça marchait?
T'en fais plein. Je peux pas, c'est bloqué. C'est que ça vient marcher. C'est un frigo, mais... T'as le système de réfrigérateur. Ouais. Tu peux le désactiver. Non. Sors, sors. Il est activé, c'est bon. Oh. Ouais, juste il y a moyen. Je peux être pas. Non, non, c'est que si l'alien vient au cas où. Je me suis fait peur moi-même. Si je peux. Le dernier, s'il te plaît. Peut-être que ça débloque. Ah, là, c'est bon, ça a marché. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir attiré. Donc, le dernier, là, que t'as pas activé. Qui est activé? Non. Non, il fait non, il manque une cellule. Alors, où est-ce qu'elle est? Il y en avait une qui était posée derrière. Ah bon? Je le montre, c'est ressemblé. Ouais, ça va. C'est un gauche, là, regarde. Ah non, c'est ressemblé. Si ça. De toute façon, si ça brille pas, ça en est pas quoi. Là, sur le truc, c'est bon. Ah, j'entends les bruits chelous là. Oh, oh merde! Oh, une terrasse. Je cache-toi derrière, t'as un truc pour te cacher. Oh putain, il est juste là. Genre il t'entend pas avec ça. Putain. What the fuck. Putain mais c'est... Putain... Voilà. C'est bon, c'est fermé la porte. Oh bordel. Mais il est con comme un placard celui-là. Putain mais ça m'est collé. T'as vu, j'ai un fou l'hygiène dans la main, plus quelque chose que je vais faire avec ça. Et t'as vu où il est maintenant? Il revient. Ouais, il revient. Il revient. Cache-toi. T'as pas envie en fait, t'as envie de te faire bouffer toi. Oh, c'est vrai que j'ai une lumière. comment je fais pour enlever ça là? Moi je vais trouver la petite. Il est juste là-bas mec. Bon voilà. Il est au-dessus. Il va tomber. Il va remonter. Il revient. Ah ouais, il revient. Cache-toi, cache-toi. Allez, vite, vite, vite. Allez. Vas-y, vite, rentre, fils de ta mère. C'est bon, il t'a pas capté. Il est con comme un placard, je te dis. Putain, oh non. Tu paries combien qu'il va l'ouvrir? Tu paries combien qu'il va l'ouvrir? Il va venir devant, il va faire hé hé, je rigolais, je t'avais vu. Il est aussi con qu'une valise sans roulette. Sans roulette, sans poignée, sans rien du tout. Sans fermeture éclair. Mais c'est quoi son problème? Barre-toi de là. Tu veux pas le ken pour rester tranquille un petit peu? Je vais te faire une rupture d'anévrisme mon gars. Ouais, j'avoue que quand on l'a vu descendre d'un seul coup là, ça m'a fait un peu flipper. J'étais pas serein. Il prend une arme, putain, sans déconner quoi. Mais prends ta clé, prends ta putain de clé à molette. Medikit. Revolver, voilà. Et Valken un peu. Je crois qu'on peut rien lui faire. Il doit être en haut là. Il s'éloigne. Casse-toi. Je t'en supplie, casse-toi. Il faut que je trouve un truc pour remettre le réfrigérateur. Ah, mais je peux passer par l'autre porte vu que j'ai mis le réfrigérateur. Attends, le réfrigérateur, ça te sauve la vie. Hein. Eh, hey, tu vois? Tu parles combien qu'il va venir bouffer maintenant? Je peux toujours pas fermer les portes. Bonjour, j'arrive! Ça sent moyen là. Ça sent moyen. Je crois qu'il y a un seul de la côté. Vous me dites si vous voyez un truc. Oui, bien sûr, oui. Moi je ferme les yeux le plus possible. Voilà! Il est juste au-dessus. Dépêche-toi, tant qu'il est au-dessus. Cours. Cours, vas-y. Cours, 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 putain. Dépêche-toi, je vais faire du bruit. Tu vas lentement, il va te niquer.
Non, regarde, il est pas là. Pas encore. Il arrive. Cache-toi, il attend un petit peu. Ça s'est activé. On aurait le voir à travers la civilité. Ça va. Enfin, ils disent qu'il est pas loin quand même. Ça sent le face à face, ça. Il est où? On est passé. Ah non, mais j'aime pas ça, putain. Allez, soin medikit, t'es où? Ah oui, y'a un truc là. Oh putain, ça rend montage, ça, j'ai jamais compris quoi. Quoi, du piratage? Ouais, un peu. Accès au conduit. Ah, bah si, c'est ce qu'il me faut. Hop. Ah, Samuel, y'a un docteur Lingard, officier médical supérieur. Si je fouille dans son bureau, je saurai sûrement où trouver ce qu'il me faut. Mais avant, il faut que je rétablisse le courant. Bonne chance, Ripley. Fais-toi plus vite. T'es marrant, toi. J'ai pas envie de faire au moins vite. Hein. Le putain de l'alien derrière mon cul. C'est clair. Tu peux pas les buter? Non, pas, les robots encore, je crois que ça passe. Ah, j'ai un job. Celui-là. Hein. Putain, il a fumé partout à cause du truc de ventilation que j'ai enlevé. Surtout pas qu'il arrive. S'il faut, il est là dans la pièce là. Non, non, regarde, il est derrière. Il est dans les couilles encore. Hein. Non, non, mais c'est moi qui le garde. C'est normal. Ah, petite lampe, allez. Tu peux rien croiser là-dedans. On monte. Je sais pas. Vu qu'il était au-dessus tout à l'heure. Pas sortir. Non, mais il était passé par le trou. T'as de ses mains, la gonzesse, je dirais qu'elle broie le métal en montant. C'est une base d'incarcération. Oula. Il commence à se brouiller. Oh putain. Faut aller tout droit. En face. Dans les conduits, je pense. La maison médicale Saint-Cristobal recommande. Elle me dit pas qu'il va tomber par le même trou que moi là. Ah, il a disparu. Bon. Il y a pas un truc de sauvegarde là dans le coin. Par contre, il y a un truc là. Ah non, c'est. Chanel CH aussi. On va voir ma gueule sur l'écran, mais c'est pas grave. Non, c'est bon, ça raque. Ouais, mais j'ai un petit peu plus que 1 minute 30. 1 minute 30? Ah ouais, on va faire une petite coupure là. Allez, t'en fais des coupures maintenant, fais start. Ouais. Oh, y'a. T'as vu? Attends. 2 secondes, regarde ce qu'il y a en face. Ah, c'est moche. Allez, vas-y. C'est moche. On fait une petite coupure et on vous reprend. Coucou! Au revoir. Allez, c'est reparti. Oh. T'installes? A, B, C, D. On va aller regarder le cadavre. Oh putain, on a bien. J'allais vers là-bas, mais il y a une porte qui s'ouvre aussi. Du coup, j'ai envie d'aller voir. Santé. Ouais, santé. Putain, merde. Oh, j'ai même un poster dans ma chambre. Ah, trop bien, ouais. Regarde, oh, là-bas. Doxem. Ah ouais. Sauf que c'est pas Doxem. Très bonne parodie. Tu mets un truc. Et le poster, il est vert. Merde, quoi. T'es sourd. Attends, c'est parce que plus flippant qu'un alien. Ouais, c'est clair. Mais en parlant d'alien, il est pas loin. Je crois qu'il y a rien à choper là-bas. Je comprends pas pourquoi on peut autant tourner autour là. On venait pas d'ici, mais. Il y a rien à choper en plus dans ces pièces. Moi, faut toujours que je visite. Et les placards derrière et tout, mais bon, t'en as entendu. Non, mais les placards, c'est pour se cacher. Ils disent de retourner par là, mais tu vois, on peut encore aller vers là. Oh! Ah non, j'ai cru que c'était.
un système de sauvegarde, mais en fait, je me suis pigeonné. C'est pas ramasser ces dossiers. Putain, c'est un labyrinthe, cet endroit. Et je peux te dire que si les extraterrestres existent, ils ont intérêt à vite se pointer, à montrer à quoi ils ressemblent, que je puisse me préparer. Hein. Il existe forcément. Oui, c'est aussi clair. Ça, je suis tout à fait. L'univers est tellement grand, t'as vu tellement dense que je c'est une manette de NES. C'est une manette de NES. Non, même pas. Ok, ça bip fort là. Cache-toi, 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 cache-toi. Je suis même pas roulé. Mais on s'en branle. Ça s'appelle la rationalité, hein, quoi, c'est tout. Je vais même cacher à chaque fois que je vole le truc. Toi tu les suis, t'es un mouton. Bah oui. Si j'avais pas d'objectif, je serais dans un con aussi. Mais c'est moi, je suis caché derrière l'ordinateur, il me verra pas. Message d'attention de Lingard, je suis pas Lingard, je suis pas. Certificat de décès. Oh, quand tu décès, placé secret. Sympa. Bande de bâtard. Et non, c'est du rapport enregistré à 13 ans. Mais ça sert à ça. Ah, ici Lingard, officier médical supérieur de Sébastopol. Je voudrais que... ce soit bien clair pour les archives. Notez qu'on m'a mise sous la contrainte au sujet du patient zéro qui était infecté. Ransom, le chef d'opération de Sixon. Il a proféré des menaces envers ma carrière et ma formation. Notez bien ça. Mais je vous jure, cette femme avait besoin d'aide. J'ignorais à quelle sorte de parasite j'avais affaire, mais il avait planté quelque chose à l'intérieur d'elle. Je suis tellement navrée. Mais je ne pouvais vraiment pas savoir ce qui allait se passer. Ouais, maintenant je sais. Tu vois, il y a une trappe dans le plafond. Il y a mieux de te faire bouffer par derrière, mon gars. Ah ouais, je viens de voir aussi People en gros ça. Oh, sa mère, mon gars. Non, en fait, là, je suis sûr, dans la caméra, c'est juste des flammes. Ça a trop. Devine ce qu'il y a en face. Mais de venir, bâtard. Fais le tour, il va être break, mon gars. Vas-y, oh vas-y, nique-le. Vas-y, nique-le, putain, sors ton gun. Ah oui. Oh, joli. Sympathique, il y a un petit coup de griffe dans la gueule aussi après. C'est moi où il avait 6 doigts. J'ai pas fait gaffe. Ouais, bon, je crois qu'on s'en branle là. Ouais. Il pourrait en avoir qu'un seul, j'en aurais rien à branler non plus. Ouais, j'ai juste pas envie de savoir où il va le mettre. Je sais pas du tout par contre où est-ce qu'on va spawn. Oh putain. Non. Et va pas trop vite, va sortir par ton cul. Hein. 20 minutes de vidéo niquée. Non mais grave, vas-y, on fait pause et j'y reviens. Mais ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu un point de sauvegarde là. C'est chiant ça. On a eu une cinématique et tout. Fait quand on fait pause? Tu je l'arrête? Ouais, vas-y. On se retrouve tout de suite après un court intervalle. Après la pub. Retrouve. Ah, t'as vu, il y a des petites notes dans le casier. Ouais, il y a vraiment le théorème de Pythagore aussi un peu à gauche. Hein. Ouais, je le reconnais. C'est évident que le carré de l'hypoténuse, c'est la somme du carré de l'autre longueur. De l'autre côté, s'il te plaît. Si tu regardes mathématiques. Ah. Excuse-moi, sauf que ton père est prof de maths. Je m'excuse. Si regarde cette vidéo, je te raconte pas comment tu vas mourir. Ta mère la chauve. Cette chaudière, virgule. Il est pas loin. Alors le point il est vraiment en bas, ça se voit. Attends. Si vous, il va passer devant, c'est enculé. Il approche. Ah, il approche, ouais. Ils en font pas là. Et la porte elle s'est ouverte, il est passé devant la porte elle ouvre. La manette elle s'affole. Allez, il repart. Ah ouais.
quoi ce Brolos? Vas-y, j'ai cheaté le bâtard, il a un lobby. Non, je crois que c'est à cause du truc, ça va faire du bruit, même dans le jeu. Sur la manette, tu vois, ça, comme dans le jeu, ça va faire du bruit et. Putain. Ah bah là, t'attends, il y a un petit départ comme ça, paf, téléportation direct. Entre mon set. Ils ont dit que ça me coste, putain, elle est chier, y'a pas de sauvegarde dans cette pièce après la cinématique. Bon, je vous rassure, on a quand même fait une petite sauvegarde après tout ce qu'on a fait. Oui. Bon, y a quand même la. On revient là, mais on n'a pas à rechercher tous les trucs de cryogénisation et tout ça, machin. Cryogénisation. C'était ça, toi? Bah, c'est de la réfrigération, ouais, c'est la même chose. Cryogénisation. C'est la même chose, mais en pire. Enfin, en pire. Et moi, avec de l'azote, quoi. Comme à 80 degrés. Ouais, c'est pour manger encore. En plus, ils sont pas cons, ça. Quoi? Bah, ils sont pas cons, les aliens. Enfin, t'as vu comment ils t'attendent? Ah, ouais, mais c'est parce que ça faisait du bruit. Bon, enfin, quand même. Quand je le sens, ça va faire du bruit. Ils le disent, de toute façon, le truc. Si j'avais la PlayStation Caméra, j'aurais carrément pu me faire bouffer par. Enfin, si je faisais du bruit là, par exemple, si j'avais activé la PlayStation Caméra, ça aurait fait du bruit en fait, si tu veux. Sérieux? Ouais, quand on parle et quand on sursaute. Ah, c'est comme dans. Ça fait du bruit et ils ont pu nous. J'ai vu un mec qui jouait à NBA 2K14 ah ouais, sur Xbox One. Et le type, il s'énervait devant sa caméra et il s'était pris un carton par l'arbitre pour c'est parfait. C'est marrant la première fois. Mais que ce soit bien clair pour les archives. Je branche. Notez qu'on a mis sous la contrainte au sujet du patient zéro qui était infecté. Ransom. Le chef d'opération de Sixon. Il a proféré des menaces envers ma carrière et ma formation. Notez bien ça. Mais je vous jure, cette femme avait besoin d'aide. J'ignorais à quelle sorte de parasite j'avais affaire, mais il avait planté quelque chose à l'intérieur d'elle. Je suis... Je ne pouvais vraiment pas savoir ce qui allait se passer. Je pense que c'était ce truc blanc qui a traversé mon ventre. Elle chie dans mon. T'es sérieux? Range-toi. Range-toi, il est là. Non, il s'est barré, il est monté. Range-toi. Range-toi, il arrive. Ouais, mais c'est un alien, tu vas me dire. Ah oui, c'est pas ça, Dave, qui me plombe dans le corps. C'est pas mon avis. Non, c'est ça. Mon avis. C'est ça. N'empêche, il en a une bien longue. J'aime bien tout ce qui est long, droit et dur. Genre. Et là, il redescend et te. Ils ont des tuyaux. Il faut que je vois, faut que je trouve un moyen. C'est pas fou. C'est pas fou, un petit anus. C'est frais. Il faut vraiment que je trouve un moyen de lui échapper. Un petit peu. Ouais. Parce que en fait, quand je fais péter le feu, aussi, faut pas que je fasse péter le feu tout seul. Depuis quoi que ça l'a. Ouais. Mais peut-être que ça l'attire de l'autre côté. Du coup, t'as le temps de revenir te cacher. Ouais, la preuve. Je me suis fait baiser, mais j'avais le truc aussi dans les mains. On est bon, vas-y, prends ton temps. C'est bon. Non, si je suis sorti, il peut me baiser. Mais dans la cinématique. Ouais, mais bon, plus tu vas sortir, il va te faire sortir. Tu vas sortir l'ordinateur, il va faire. Si je vais spawn avec le mot, ça peut être le genre de. Que ce soit très clair pour les archives. Notez qu'on a. Le type pose la grille sur l'écran. J'attends mon tour. T'inquiète, je suis patient. Ransom, le chef d'opération de Sixon.
C'est trop ça. Il a proféré des menaces envers ma carrière et ma formation. Notez bien ça. Je vous jure. Cette femme avait besoin d'aide. J'ai mesuré quelle sorte de parasite j'avais à faire. Elle avait planté quelque chose à l'intérieur d'elle. C'est un grand mystique. Je suis tellement navrée. C'était quand même 4 fois qu'on s'attaque, nous. Je ne pouvais vraiment pas savoir ce qui allait se passer. On est obligé d'aller la voir. J'en ai mal au cul. Ah non, mais c'est le mec, t'as trop troll, c'est. J'attendais que tu aies fini. Non, mais c'est dégueulasse, je trouve. Et comment il rentre entre le bureau, j'ai toi, pas le temps, j'ai même pas lui, le temps et le j'ai même pas le temps de compter ses doigts. Non, mais c'est incroyable, quoi. Ah, c'est vrai, j'ai tout fait. Putain, c'est abusé comme lui, quoi. Ça m'énerve, moi, quand même. Ouais. C'est bien, on recommence toujours le moi, j'aurais balancé la manette depuis longtemps. Faut persister, faut persister. Ouais, là. Ouais, j'ai fait le con moi aussi. J'aurais pas dû mettre le feu. Ça m'attire en fait. Faut vraiment pas le mettre ce truc de feu là. J'en suis presque sûr. Moi ça me fait pas des le feu. Ouais, c'est trop stylé. Je suis sûr dans la caméra, ils doivent voir l'écran devenir tout jaune. Ça me fait pas des. J'adore ça. C'est pas trop stylé. Moi je fais des feux soit pour bouffer, soit pour me chauffer. Quoi. Ouais. Surtout pour se bouffer cet été, on en a fait pas mal. Ouais. C'est clair qu'on adore de clouter cet été. Ah, surtout toi, Luc, parce que vu que c'est toi qui les a. Mais oui, évidemment, je suis habité chez les gens, mais c'est moi qui fais à manger. Il y a quoi en face? Alors, j'étais déjà allé tout à l'heure. Pas retourner avec les trucs là. Ah, pas de feu. On fera barbecue plus tard. J'espère que c'est les enfants. On va sortir un peu l'autre vieille là. Putain, et n'empêche, on voit que elle pendant le jeu. Hein. Franchement, au bout d'un moment, moi. Il commence à blesser. Ici Lingard, officier médical supérieur de Sébastopol. Je voudrais que. Que ce soit bien clair pour les archives. Notez qu'on m'a mis sous la contrainte au sujet du patient zéro qui était infecté. Ransom, le chef d'opération de Sixon. Il a proféré des menaces envers ma carrière et ma formation. Notez bien ça. Mais je vous jure. Cette femme avait besoin d'aide. J'ignorais à quelle sorte de parasite j'avais à faire. Mais il avait planté quelque chose à l'intérieur d'elle. Je sais pas si vous avez vu ça. J'ai à droite, mais c'est des conneries, je pense que c'est juste un truc pour troller ça. À gauche. Dépêche-toi. Tu vas te faire niquer. Va au fond, t'as un placard. Il est derrière la porte là-bas à droite. Soit il va bientôt arriver, soit il va faire demi-tour. Tu vas faire taper un petit peu avec ta clé pour faire le bruit. Allez. Il est vraiment excellent ce gars. Non mais il l'entend hein, le radar. Attends parce qu'il est encore coincé. Moi je sens mal. Il va faire je sens qu'il va faire un retour. Faut pas que je le garde trop longtemps en fait, je pense. Moi elle est bonne la nana sur la photo. Ah ouais carrément. Tu penses une femme de 70 là avec un vieux bikini. Oh. Tantan for what? Oh, j'ai vraiment le suspense pour rien quoi. Il adore la petite musique. Gigot, gigot, gigoté. Ou deux. Fais un coup de bite. Ah, c'est bien. Toi, la caméra, il t'entendrait siffler, tu sais. Attends. Il va vraiment partir, je pense. The big fat butt. J'en ai ras le cul. Et t'as vu
Mais non, il est con comme un placard ce type. Attends, attends, parce que visiblement, tout à l'heure il était pas si con que ça, tu sais. Il voyait, bouge les cartons, je te dis rien. Salut ma jambe, connard. Un coup de bip. Putain, je sais pas qu'en sortir du coup, parce que le truc là. Putain, c'est calme et chaud. Je vais pas sentir mon radar. Au feeling, allez. Au pif. Et le mec il repasse tranquille, mais mort. Derrière toi. Non, mon radar, il aurait pu. S'il était prêt. Le truc, c'est que je veux pas voir où je dois aller. Tant que j'ai pas mon radar réactif. Ouais, il est con comme un placard ce Gouya. Dépêche-toi, dépêche-toi. Non, attends, non, trop tard. Non, tu vas te faire baiser, il va faire demi-tour. Non, oh, non, trop. Il est fait arriver par la droite. Il va... Je sais pas s'il faut les faire. Ouais, ouais, ouais. Eh ben ouais. Ouais, maintenant, hein. Mais ouais, maintenant tu as ton cul. Placard, placard, dépêche-toi. Il est con comme un placard, mais il va pas voir dans le placard, non. C'est bon, c'est bon. Placard, placard. Faut que j'aille ici, mais faut que je fasse le truc. Quand t'as que c'est rapide. Oh putain, ta mère. Placard, placard. C'est bon, c'est bon. Vite, vite. Ah, le trapinette. On va faire d'où il s'éloigne. Non, mais non, il s'éloigne pas. Il s'éloigne pas. Placard, il est au-dessus de toi. Il est au-dessus de toi, il va tomber dessus, putain. Voilà, tu vois. Il peut passer. Il peut passer. Il peut passer. Il peut passer. Il est dans ce coin. Oh putain. Bip. J'ai trop envie qu'il vienne en fait. Chut. Mais ouvre encore plus fort ta porte, hop, mais couille. C'est bon, j'entends rien. Fouille, 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 y'a un truc pour fouiller en dedans. Peut-être une carte d'accès dedans, t'as un morse, détecteur, et non, rien. Éthanol. T'es la fusée de Tintin. Attends, ah, ouais, carrément, ouais. Non, elle est pas exactement comme ça, je crois. Si, qu'elle si. Elle a un quadrillage, elle. Mais elle, elle est pleine, des couleurs pleines. Ah, elle a un quadrillage, je crois. Le recommande la mutuelle Sixon. Voyager le c'est gay, mais chaud, quoi. C'est ça que j'aime bien, moi. Ah, ben ça va, il est pas trop. Mais horreur, t'es complètement maso, mec. Non, il est pas horreur, mais il est... c'est stressant, c'est casse-couille de tout refaire, je crois. Oui, il y avait un truc de sauvegarde, ce serait bien. Putain, j'avoue. Putain, il me dit de passer par. Il est au-dessus. Donc, range-toi, placard. Placard. Placard, il est au-dessus. Là. Bum, 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 bum. Coucou. Il est où du coup en recherche? Il est où, yo? Ouais, ouais. Eh non mais, eh toi t'es... Eh tu peux attendre un moment, il va venir, hein, je te garantis. Hein. Je le chercherai, je pense, plus il y aura de chance qu'il arrive, c'est ça là? Ah non. Oh bordel. Il va descendre. Ouais. Il est vraiment juste au-dessus. Hein. Elle est au-dessus du trou, il est tant que ça. Il est en train de caresser. Oh. Il te titille un peu. Il te titille le trou. Il dilate. Il hésite, il hésite. Oh putain. Je suis dilate. Il tâte le terrain là, mais il hésite. Ponce dilate. Ponce pilate. Mais il est encore là, hein. Oui, bah t'as raison, sort. Il est encore là, mais sort. Très près, croix, croix. Plus mal quand même. Il est vu. Non, non. Parti. Il s'éloigne. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Carte d'accès. Oui, carte d'accès. Sans déconner. Les patients en transition doivent fournir leur numéro d'équipage et leur immatricule d'un. Putain, ça veut dire qu'il faut fouiller les pièces. Mec, y'a pas une seule sauvegarde. Ma gueule. Regarde, tu peux pas accéder à la pièce qui est à côté. Non, 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 c'est là où il y a le feu. À part toi, t'as récupéré. Ah non, je l'ai pas re-récupéré. C'est la force. Ça se sent un peu. Attends, y'a rien du tout. Faut trouver, je pense, en fait, tu sais, un espèce de moniteur avec des codes qu'il y a dedans.
souvent t'as des portes comme dans ça. Dans la pièce où t'avais essayé d'accéder avant. Ouais, dans cette pièce quand même. Il est pas loin. Caca. Il va arriver par là où? Où ça? Là. T'as un espèce de placard. Tu peux juste au-dessus. Ah, je peux m'éloigner. C'est cool. T'as une espèce de placard, tu m'as dit, juste au-dessus. En face. Juste en face. Un truc vert qui clignote. Ah ouais. Il faut que tu peux le fouiller. Putain, t'es loin, mais il a l'air d'être... C'est plus comme une poupée, du coup. Tu vois. C'est vrai. On n'est pas entré dans ce salle. Si. T'avais essayé de te planquer, mais t'avais buté. Ça, c'est pas possible. Hein. Ça sert à rien de retourner par là, parce qu'après, tu vas te faire baiser. Hein. Moi, je suis sûr que t'étais du côté où t'étais tout à l'heure. Ici, on ne peut pas passer. Pourquoi je ne peux pas sur tu peux pas l'ouvrir. Ah, t'as vu, ouais, il y a de la lumière ici, t'as l'air, t'as raison. J'ai déjà ouvert celui-là, c'est pas ça. Ouais. Stress, hein, stress. Attends, hein. attends, t'as un truc contre le mur. Quoi? Ah non. Ah non, c'est des blocs. Donc c'était. Ça ressemble à une espèce de des. Souvent c'est sur des tables. Ah. Ok, on cherche le chien. Non. Non. Non, attends, il fait une couleur. Qu'on te voit un peu. Il y a un truc qui bouge en bas. Il y a un truc qui va descendre en haut aussi. Putain, c'est chelou quand même. Quand tu rentres, il bip pas et quand tu sors, il bip. Faut l'arrêter là. Pause. On se retrouve dans 2 secondes. Putain, encore. Alors. Voir un peu sur Bip Bip. Qu'est-ce que Bip Bip, il s'est barré. Il y avait un truc qui bougeait dans le coin. Oui, quand on est rentré, il y avait un truc. À droite. Mais un petit bug, je sais pas si c'est un bug graphique. Alors attendez, regardez si vous voyez un code dans un truc. Là, il y a qu'un truc, ouais. Certificat de décès, on s'en branle un peu. Et voir un peu de droite, son audio, ça s'en fout. Alors pour le meilleur, on s'en fout. En bas à gauche. Par terre, regarde par terre. C'est ça? Non. Non, dans le coin, à gauche. Là. Regarde, à gauche. Ah, mais c'est le squelette. C'est un bug graphique. Ah, ouais, c'est un bug. C'est le, tu sais, le copain du cobu. Non, bon, là, il a comme là. Non. Feu. Pas mal là. Il était juste au-dessus de moi. Souvent les cadavres ont pris fouille.
quelqu'un. À gauche, t'en as un gauche. C'est le gars, il vient de se cacher. Il arrive par la gauche. Il est dans le couloir. Bordel de merde. Là, tu es content, Luc, regarde. Si je m'éloigne un peu. Mademoiselle. On peut s'avancer aussi. Mais dis-moi, tu ne découvrais pas le jeu au bout de ton quatrième display quand même. Cinquième. Sixième ZPM. C'est le vrai. T'as déjà 40 minutes de vidéo là. Ouais, c'est vrai, ça fait bon pour avancer, mais quitte à crever. Quitte à crever à recommencer là. C'est un peu chiant. Hein. Faut trouver un moniteur normalement. Hein. Parce que carte d'accès. Putain, j'aimerais bien avoir le switch, tu vois, des fois. Ah oui, sauf que tu pouvais pas accéder à la pièce qui était plus. On revient à la pièce où il faut. Il arrive. Casse-toi. Droite. À la pièce où t'étais plus, tu voulais dire. La pièce où il fallait rentrer justement le pass là. À côté t'avais une pièce avec un bouton vert éclairé. Cache-toi là. Espèce de con. Mais cache-toi pas là. Tu m'as dit à gauche. La pièce où on doit mettre le pass. Va vers les staff Carter, cela. Non, mais à gauche. Putain, et gauche et droite chez toi, c'est pas compliqué. Non, c'est hein, que j'ai pas fait gaffe. Là. Attends, toi, tu me fais aller là. À gauche. Encore staff oui, à gauche. Je sais pas, tu m'avais dit staff Carter. Là, tu vas au fond. Et si tu continues tout droit, tu peux pas accéder à la pièce. Là, il y a la pièce qu'on a. Ah ouais, la droite là. Là. Et là, ici. On n'est pas allé là-bas. Non, ah, t'as un truc de sauvegarde. Non, non. T'es sûr? Contre le mur. Oh putain. Et putain, mais sans déconner quoi. Et en plus, je t'ai dit d'y aller tout à l'heure, on aurait pu économiser 20 minutes. Mais c'est pas. Je m'étais pas fait baiser ou une connerie, genre. Non. J'ai pas fait gaffe. T'as un truc? J'ai un alien aussi. Je sais qu'il y a un truc que je te lâche. Écoutez. On a fait la sauvegarde, c'est bon. Mot de passe requis. Oh, elle est dedans. Derrière. Non, il est là le mot de passe. J'ai pas ramassé, j'ai pas fait gaffe que j'avais ramassé un truc, c'est pour construire quelque chose. Alors, sur. J'ai jour et code. 205, enfin 2505. 2505. Docteur Lingard, ici Ransom. Vous vous souvenez? Change réseau de gaz, réseau de gaz. On s'en branle, c'est nécessaire. Moi je dis on s'en branle. C'est plus petit talent en plus, c'est excellent. T'es limité en temps? Enfin, on n'a pas forcément le temps. Une veille à mi 31 secondes. Ah oui? 2505. Mais non, 2505. Les gars, c'est non. D'ailleurs, c'est pas ça. Non, c'est l'audio. C'est l'audio. Vous m'avez fait flipper pour rien. Récupère le code et tu sauvegardes. Qu'est-ce qui nous fait chier là? C'est le. Pas autant que votre. Ah, plante-toi, plante-toi là, c'est bon. Non, il est là. Non. On fout de toute façon, je sauvegarde. Il peut me tuer là si tu veux. On est bon là, on est bien. Enfin, attends que j'appuie sur lui. Voilà, maintenant tu peux. Eh bien, bâtard, genre Magnum. Oula, c'est pas le Magnum, ça. Hop. Ouais, t'as vu quand on vise, par contre, c'est chiant parce que c'est pas la vraie visée. Il va descendre, tu parles combien? S'il est juste derrière, c'est complètement con. Ah, c'est le truc de la. Tu sais, de la vidéo d'intro. Ouais, j'ai l'impression. C'est un vrai cauchemar, les 6 avis. Ce qu'il faut que j'aille par là. Est-ce que le code?
Allez, faut au moins tout. Bah écoute, en 20 minutes, on aura avancé. Bah c'est pas drôle, c'est pas dur. On aura avancé plus vite en 2 minutes quand même. C'est ça. Oh putain. Elle a eu le droit à la même chose qui m'arrive à peu près 50 fois depuis le début du jeu. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est à la réception du centre médical. Ça y est, on a fini. Samuels, j'ai les médicaments. On essaie d'avancer un peu ou pas? C'est bien, t'es déjà là sur la vidéo, on est pas mal. Enfin, je sais pas pourquoi. Ouais, ouais, ça. Parce que. Enfin, c'est pour toi. Ah, mais je peux pas parce qu'il n'y a pas de sauvegarde. Tu n'as pas de sauvegarde. Retourne en arrière. Ah, ben non. Tu l'es, salope. C'est fermé devant ma gueule. C'était où déjà? Oh, 2 points. Ah oui. Oh, oh oui. C'était où droite. Là, droite. Ouais, j'ai reconnu le cadavre. Et à gauche. Alors, il y en a un dans cette pièce, il y en a deux autres dans l'autre. Bon, mais les gens, on va se quitter sur ça, donc... C'est déjà pas mal, j'ai envie c'est de dire. C'est clair, je pense qu'on a un peu... Je pense qu'on a de belles images, on a comme des putes. Enfin, moi, perso. Bah, c'est surprenant. C'est pas que c'est flippant, c'est que c'est stressant, c'est surprenant. Enfin, bon. Non, mais voilà. C'est intéressant. Moi, je dis, comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Et ciao tout le monde. Et likez la page de Champy. T'as qu'à faire. Eh, ciao, ciao. Ciao.